est parti. Bien. Maintenant, rejoignez vos escouades et dirigez-vous vers les modules de largage, Marines. Allez, allez. À vos ordres. Équipe Taurus, retrouvez-moi au hangar 18. Nous allons descendre sur l'anneau. Bien su. On arrive. À tous les Spartans, si vous n'avez pas déjà quitté l'Infinity, arrêtez le combat et évacuez le vaisseau. Windfall 1, on a beaucoup de troupes qui descendent sur le Halo Zeta. Comment ça se présente? Il y a des parias partout. Aussi bien dans les airs qu'au sol. Ça va secouer à l'atterrissage. Vous avez entendu? Faites attention. On se revoit au sol, Spartan. Bien su, Griffin. Finissons-en. Lasky à tout l'équipage. L'Infinity est en perdition. Le personnel restant doit évacuer pour rejoindre la surface. Le point de rendez-vous va vous être communiqué. Nouvelle brèche à bâbord. Les parias sont trop nombreux. C'est perdu d'avance. Qu'est-ce qu'on fait, Spartan? Vous avez entendu le capitaine. On se replie sur le hangar et on abandonne le vaisseau. On va aller à la surface de l'anneau avec les parias qui nous tombent dessus. Vous pensez être plus en sécurité ici? Emmenez les blessés. L'Infinity est perdu, mais pas nous. Taurus, on est sur l'anneau. Ça s'est joué à pas grand-chose. Ces canons anti-aériens pulvérisent nos appareils, alors c'est notre priorité. Si on ne les neutralise pas, rien de ce qui quitte l'Infinity n'atteindra la surface. Dimka, Oshiro, couvrez les flancs. Vettel, surveillez nos arrières. Je pars devant. On y va. On a une idée de nos pertes jusqu'ici? Pas encore, mais l'Infinity se faisait pilonner quand on est parti. Détruisez ces canons! Dépêchez-vous, Taurus! Spartan Kovan, votre module va entrer en collision avec une escadre de fantômes dans la stratosphère de l'anneau. Probabilité de 93%. Rectifiez votre trajectoire. Et pourquoi? C'est bien eux que je vise. Étonnamment, ça ne me surprend pas. Bonne chance, Spartan. Ça va sûrement faire mal. Toc, toc. Griffin, je détecte des mouvements dans l'épave de ce fantôme. Des survivants parias. Éliminons-les avant de détruire ces canons anti-aériens. Vettel, passez devant. Doucement, équipe Taurus. Alliés à bord. Kovan, qu'est-ce que vous fichez là-dedans? Le fantôme était sur ma route, alors je l'ai traversé. Je vois 5 patrouilles parias qui se dirigent sur vous. Si vous voulez attaquer les canons anti-aériens, c'est maintenant. Vous l'avez entendu, Taurus. On y va. Merci du coup de main, Kovan. Avec plaisir. Infinity, ici Windfall 1. Vous avez 2-3 fantômes en approche rapide. Quel est votre statut? L'Infinity largue des navettes de survie et des modules à destination de la surface de l'anneau Halo. Quoi? C'est du suicide. Le ciel grouille encore de paria. Malik, vous êtes toujours là? Windfall 4 est derrière vous, Spartan. L'Infinity a lancé l'évacuation. L'UNSC abandonne le vaisseau. On doit escorter ces modules jusqu'à la surface de... Et merde! Ennemi en vue! Vous avez 5 Banshees sur vous, Mako. Je préfère qu'ils s'en prennent à moi qu'aux modules. Couvrez-nous, Windfall 4. Je vais les amener à la surface. Intrépide 1, mon module de largage est à 2 km. Derrière vous, dans 10 secondes. C'est un sacré foutoir, là-haut. Bien reçu, Horvath. L'Infinity se fait laminer en orbite. Mais ce sera encore pire une fois sur la surface de l'anneau. Atterrissage dans 10 secondes. Préparez-vous à débarquer au pas de course, Intrépide. Bien su. On va leur montrer ce que valent les Spartans. Go, go, go! Feu à volonté, Intrépide! Il faut qu'on reprenne ce secteur au paria!
Oscar 1-2-8 est touché. Je répète, Oscar 1-2-8 est touché et on a perdu la liaison avec le commandement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous me recevez? Soldat Paria, à gauche. J'ouvre le feu! La télémétrie est HS. Je n'ai aucune idée de notre position. Tout ce que je sais, c'est qu'on est très loin du territoire ennemi. Les parias déploient leur arsenal à une vitesse affolante. En voilà d'autres, sur la droite! On s'est retranché et on défend notre position. On se dirigera vers le point de rendez-vous dès qu'on pourra bouger. Si on y arrive. Préparez-vous à l'impact. Atterrissage sur l'anneau dans 5 secondes. Cessez le feu, Marines. Tout va bien, Spartan Stone. Quelques bosses, mais rien de méchant. Compris. Je fais sauter les coutilles et on sort deux par deux. L'anneau grouille déjà de paria. Préparez-vous au pire. Waouh. Ça va, Marine? Oui, c'est juste que ces trucs ont beau avoir causé la mort de plein de gens, j'aurais jamais imaginé que ce soit si beau. L'Infinity se fait laminer par ces vaisseaux paria. Ouais. Je me demande combien de temps il tiendra avant... Ok. C'était beaucoup trop serré. Des canons anti-aériens paria. Comment ont-ils fait si vite? Ils sont là dans un but bien précis, Spartan Vettel. N'en doutez pas. Leader Taurus à Victor 3-2-1, demandant un changement de zone d'atterrissage. Destination? Déposez-nous à côté de cette artillerie paria. On va s'en occuper. Deuxième canon anti-aérien HS, Griffin. Bien joué, Taurus. Occupez-vous du canon plus loin. On va laisser les appareils de l'Infinity souffler un peu. C'est quoi ça? Ça vient de cette tour au nord. C'est... Taurus, votre statut. Tout le monde va bien. Mais mon armure m'a lâché. Sûrement le souffle. Le dernier canon anti-aérien et HS aussi. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais ça a fait un coup de propre. Allons-y, on a du boulot. Spartan Makovic, l'anneau se désintègre sous vos pieds. Vous devriez... Une chose à la fois, ok? Votre arme de poing ne suffira pas à repousser un aussi grand nombre de sentinelles. Vous devriez... Ouais, battre en retraite. J'y travaille. Spartan Makovic, votre vitesse actuelle de 47 km/h est... Encore un cours de physique et je me débarrasse de toi. C'est pas un hasard que les parias soient arrivés avant nous. On n'est pas prêts pour... Silence. Vous savez d'où vient ce bruit? La structure au nord. Vous voyez cette lumière? Tout le monde à terre! Vite! Qu'est-ce qui se passe? C'est la cible! C'est elle! Intrépide 1, vous me recevez? J'ai perdu le contact visuel avec l'équipe. Capteur de mouvement HS, tout est grillé. Cette explosion... Intrépide 1, vous me recevez? Oh
maintenant. L'anneau. Si vous m'entendez, Intrépide ou qui que ce soit, l'anneau est en train de s'effondrer. Personne. Plus personne. La ligne de crête, ça donne quoi, Caporal ? Couverte de brut et de matériel. Ils ont pas traîné pour s'installer. Ils doivent se préparer à... C'est quoi ça ? La montagne est en train de s'effondrer ! À la navette de survie ! Vite ! Qu'est-ce que c'est ? Une frégate, classe Mulsan. D'après la coque, il s'agit du Mortal Rêverie. Si on veut prendre le contrôle de cet anneau, il va nous falloir une base d'opération. Il est en sale état, mais c'est un abri. Le site est défendable. Pas de signe d'activité paria. Ouais, ça peut le faire. Il y a des Spartans à portée de radio ? Le Spartan Griffin est à portée. Mais son signal faiblit rapidement. Je vais faire vite. Ouvre un canal. Je crois qu'on a trouvé notre point de rendez-vous. Donc, c'est vrai ? Le rapport ? Oui. Les parias déploient des moissonneurs. Et... Je parlais pas de ça. Vous avez vraiment sorti une navette de survie d'une des brèches de l'anneau ? J'ai ordonné à l'escouade de s'abriter de l'explosion à l'intérieur. Je n'allais pas les laisser mourir dedans. Bien joué, Stone. Cette première journée n'a pas été facile. On essaie toujours de comprendre ce qui s'est passé. Vous avez bien réagi. Ce coup-ci, j'ai aidé le groupe. La prochaine fois, c'est eux qui m'aideront. À en croire leur rapport, ces Marines vous suivront n'importe où. Et si on veut reprendre cet anneau, on va devoir s'y mettre tous ensemble. Un fantôme. S'installe. Ordonne le largage. À quoi bon construire un point de contrôle ? Les humains sont dispersés et brisés. Nous avons déjà gagné cette bataille. Contestes-tu le jugement d'Escarum ? Continue comme ça. Nous ne sommes pas seuls. Allons-y. Avez-vous vu pendant votre sortie, Spartan ? C'est quoi le problème avec l'anneau ? Il se répare lui-même, ça ne fait aucun doute. Toutes les sentinelles qu'on a vues s'affairer autour du squelette évaluent les dégâts et lancent des réparations. Quoique la cible ait fait à l'anneau, ça disparaît rapidement. Il sera bientôt à nouveau opérationnel. Je vais rajouter ça au rapport. Et maintenant ? On sait ce que cherchent les parias. Notre boulot est de les ralentir. J'imagine que le reste de l'UNSC s'est fixé le même objectif. Reposez-vous, Marines. Dès demain, on va semer le chaos dans le secteur. Ces armes sont toujours actives. Tu vois des signatures UNSC dans le secteur ? Analyse. Aucune signature UNSC apportée. Je m'en doutais. Je me demande s'il y a encore un vaisseau à nous là-haut. Ou au sol. Oh, merde. En voilà d'autres. Tant que le chef de guerre n'aura pas écrasé le cœur de la résistance, les humains continueront à se battre. Ce n'est qu'une question de temps. Nous avons déjà accompli ce dont les Covenants osaient à peine rêver. Cet anneau, dans toute sa splendeur, nous appartient. C'est vrai. Avec cette arme entre nos mains, nul ne pourra contester notre suprématie. Griffin, ici Kovan. Au rapport.
Repérage de la zone rouge terminé. Les forces paria sont très hiérarchisées et fragmentées, comme on le pensait. La compétition et les tensions sont palpables entre les chefs potentiels. Leur unité ne tient qu'à la présence du chef de guerre. Si on éliminait Escarum... Son assassinat pourrait semer le chaos dans les rangs des parias. C'est risqué, mais c'est peut-être la meilleure option. Au travail, Kovan. Rentrez à la base. Il faut qu'on planifie la suite. Le tuer est la seule option viable qu'on ait. Un tel vide au pouvoir déstabiliserait les parias et nous permettrait d'asseoir notre position en attendant l'arrivée des renforts. J'ai besoin de volontaires et je sais qu'ils ne manqueront pas. On veut tous en être. Mais on ne peut pas laisser le rêverie sans défense, alors on va faire ça à l'ancienne. Tirer à la courte paille ? Vous plaisantez, Griffin ? Non, pas du tout. Voilà le plan. Une seule escouade offensive en plein cœur du territoire des parias. Rapide, silencieuse, à pied. C'est la seule chance de réussir. Il y a de fortes probabilités de ne pas en revenir. Donc, si nous ne laissons pas des gens ici, il n'y aura plus rien à protéger. C'est comme ça, c'est tout. Panago, Malik, Sarkar et moi. L'équipe est faite. Pour un assassinat organisé en tirant à la courte paille ? Non, Griffin. On a besoin de vous au rêverie. Les Marines ont besoin d'un chef. On en a tous besoin. La décision est prise. C'est maintenant qu'il faut agir. On descend Escarum et on prend l'anneau. Les Marines ont besoin d'un chef, c'est vrai. C'est pour ça que vous restez ici. Vous commanderez en mon absence. Je ne peux pas. Vous allez y arriver. Je le sais. Quoi qu'il arrive. Spartan, si vous m'entendez, j'avance. Il n'est plus question de faire demi-tour. C'est exact, Spartan. Vous ne pouvez plus faire demi-tour. Me croyez-vous assez stupide pour laisser ma base à la merci du premier venu? Comme vous l'avez fait, vous avez présumé de vos forces. Vous et vos amis, leurs dépouilles feront de bons trophées. Espèce de... Je leur ai épargné ça. Mais je ne vous épargnerai pas, alors que vous et vos Spartans approchiez de ma citadelle. J'ai ordonné à mes soldats d'exécuter vos hommes et de détruire cette épave. Votre base ne sera bientôt plus que cendre, et il ne restera plus une trace de votre espèce sur cet anneau. Spartan Griffin à FFG 525. Rêverie, vous me recevez ? Griffin, vous êtes grièvement blessé. Et les systèmes de soins de votre armure sont désactivés. Il vous faut de l'aide immédiatement. Ouvre un canal crypté sortant vers le transmetteur du rêverie en haut. Envoi d'un message codé confirmé. Prêt à enregistrer. La mission a échoué. Escarum nous attendait depuis le début. Malik, Panago, Sarkar, ils sont morts. Écoutez-moi, Rêverie. Escarum a déployé presque tous les hommes et les ressources dont on dispose. Ils veulent... Il n'y a plus qu'une chose qui compte désormais. N'essayez pas de gagner, de partir ou même de survivre. Il faut empêcher les parias de contrôler l'anneau. Message envoyé. Mission est un échec. Escarum nous... Malik, Panago. Mort. Écoutez-moi, Rêverie. Escarum a déployé presque tout. But est la...
Vettel, qu'est-ce que c'est? Une transmission de Griffin. Haché à cause des interférences, mais c'est bien lui. Une chose est sûre, la mission a échoué. Mais il s'en est... Enfin, quelqu'un s'en est sorti? Si ce que le Spartan Griffin a dit est vrai, leur mort est le cadet de nos soucis. Ils arrivent. Il faut se préparer. Ça fait des années que je mène des opérations avec Windfall. Des sorties en broadsword sur Requiem, des attaques en prowler sur une planète qui guerre, des missions de sauvetage. J'aurais jamais pensé perdre un équipier choisi au hasard pour un assassinat qui a foiré. Quel gâchis. Malik connaissait les risques, comme nous tous. Ça valait le coup d'essayer, Mako. Ah oui? On a filé un bon coup de pied dans la fourmilière et maintenant les fourmis se préparent pour les représailles. Si on perd le rêverie, on perd l'anneau. Il y a un paquet de vie en jeu. Certains pensent qu'on devrait battre en retraite et attendre que ça se calme. Pour aller où? Retourner se cacher dans des grottes et ne sortir que la nuit? Non. Non, on résiste. Nos sacrifices n'auront pas été vains. C'est pas la vie qu'Escarum va perdre. C'est son honneur. Spartan Stone à FFG 525. Vous me recevez? Je répète, vous me recevez? Bien reçu, Spartan Stone. Quelle est votre position? J'ai l'escouade Boulder au secteur 63 en vue sur la porte. 525, j'ai en visu une formation très étrange et d'une taille peu commune. Les parias progressent vers le rêverie. Ils devraient l'atteindre à la tombée de la nuit. Pas d'autre choix. Si on perd le rêverie, il ne nous reste plus rien. Tenez bon, Marines! Ce marine a raison, Vettel. L'infanterie et les blindés envahissent la vallée par centaines. Le rêverie est déjà perdu. Donc, on l'abandonne? Le Spartan Griffin a dit que ça risquait d'arriver. C'est pour ça qu'on est resté. On sauve ce qui peut l'être. Elle a raison. Soit on part maintenant, soit le rêverie se transforme en cimetière. Makovitch, faites passer le message. Tout le monde se replie. Tout le monde. Stone a terminé sa reconnaissance. Elle a repéré deux escouades à couvert au nord. Ça fait 12 soldats de plus à notre décompte de survivants. Aucun signe des autres? Griffin, Kovan, Horvat? Non, même dans les camps de prisonniers. Berthold, ça fait déjà plus d'un mois que nous avons perdu le rêverie. Arrête ça. Je ne les abandonnerai pas. Il faut se rendre à l'évidence. On a perdu le rêverie. Notre dernière base d'opération avancée est tombée. On est dispersé et Escarum est sur le point de prendre le contrôle de l'anneau. Il ne nous reste plus beaucoup d'options. Mais nous devons obéir aux ordres. Le protocole Rubico. Arrêter ou ralentir les parias par tous les moyens. Et les empêcher de s'emparer du Halo Zeta. Gagner un maximum de temps pour la Terre. C'est notre nouvelle mission. Ouvrez un canal. La reconnaissance du site du crash est terminée. Les parias y ont installé un avant-poste. Et je vous préviens, il n'est pas piqué des vers. Ils déterrent des technologies Forerunner enfouies dans l'anneau. Ils ont trouvé des artefacts que j'avais encore jamais vus. Mais c'est pas tout. Plus de la moitié du détachement paria affecté à ce poste a été déplacé sur un nouveau site, au sud. L'ordre vient du chef de guerre en personne. Cette autre structure Forerunner s'appelle le Conservatoire. Aucune idée de ce que c'est, mais ça a de l'importance pour Escarum. Il nous faut des renseignements sur ce Conservatoire au plus vite. J'irai bien, mais j'aimerais jeter un coup d'œil aux artefacts. Pendant tout ce temps, on a cru que le Halo Zeta n'était pas différent des autres. Mais imaginez qu'on se soit trompé. Pas tout à fait. Encore un peu plus près. Vite! Spartan,
Tuez-le! Je cherche des amis à moi. Et toi, mon ami, tu vas me dire où je peux les trouver. Merde, ils sont nombreux. Sorel, répond. J'ai un énorme déploiement de parias sous les yeux. Et il y a aussi un paquet de machines. C'est du matériel de fouille. Stone avait raison. Ils ont vraiment trouvé un truc. Le monitor. Ils doivent sûrement chercher le monitor. T'as sûrement raison. J'avais pas vu autant de parias depuis l'attaque sur le Rêverie. S'ils récupèrent le monitor, ils contrôleront l'anneau. Non, pas si on le trouve avant eux. Et comment tu vois la chose? On peut les ralentir, saboter leurs machines, interrompre leur approvisionnement. Mais ils arriveront à passer à un moment ou à un autre. Et à ce moment-là... Simple, on les attaque. Jusqu'au souterrain, et j'ai regardé de plus près le dispositif Forerunner que j'avais repéré plus tôt. C'est une capsule de stase. Elle est très vieille. Et elle est vide. Je pense qu'il y en a d'autres. Peut-être même un paquet. L'installation 07 est peut-être une arcologie. Ou une prison. Ou un zoo, pour ce que j'en sais. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas un anneau comme les autres. On est en territoire inconnu, ici. Le chemin vers la sortie est coupé. Je continue à descendre. Je trouverai une autre issue. J'ai repéré un signal UNSC encore plus bas dans l'installation. C'est peut-être... Merde. Dieu du monde. Je coupe la transmission. Ici Spartan Vettel de l'équipe Taurus à tous les transmetteurs UNSC à portée. J'ai remonté jusqu'au dernier emplacement de Griffin avant qu'il ne soit déconnecté. Je sais où il est, où ils l'ont emporté. Ils l'ont conduit dans cette tour, et on sait ce qu'ils leur font. Il y a des gardes partout, mais si je peux m'emparer d'une de ces navettes de transport, je réussirai peut-être à rentrer. Je ne vais pas laisser Griffin mourir là. Je suis sur cet anneau depuis assez longtemps pour savoir que la victoire n'est jamais acquise. À tous les membres de l'UNSC sur Allo Zeta, on n'abandonne pas. On continue de se battre, jusqu'au bout. Il n'est pas question que je m'approche de ce laser d'extraction. Partons, je... C'est Spartan, pas mort. Il faut appeler. Bonne nuit. Il y a du monde dans le tunnel? Oui, un grand groupe de parias vient d'entrer. J'ai pas vu Escarum, mais il est peut-être déjà là. Bon, c'est nous deux contre tous, hein? Exactement. Ça ne va pas être évident, mais c'est la seule option qui nous reste. On doit trouver le monitor avant eux. Des renforts n'auraient pas fait de mal. Il ne reste plus que nous, Mako. On va devoir se débrouiller tout seul. Il est temps d'avancer maintenant. Où est-ce qu'on en est avec cette diversion? Attends... Allons-y. Ouais, c'est bien Forerunner. C'est bon, Théo. On avance. On va rester discret le plus longtemps possible. Si jamais ils nous repèrent, on risque de pas être à la fête. En parlant de fête, quand ce sera fini, on pourra s'ouvrir une de ces bouteilles que je garde dans... Attention, derrière toi. Merde, il a un camouflage. Ça va? Ouais, c'est bon. Où il est? Je suis là, Spartan. Je suis tout prêt. Pars. Je m'en occupe. Non, c'est impossible. Trouve le monitor. Je te rejoindrai dès que je peux. T'as intérêt, Mako. Bon alors, on en était où?
Tu étais sur le point de mourir en hurlant. Mako, réponds. Réponds, merde! Non, tu n'es pas morte. Tu me rejoins bientôt. Je continue à avancer. Cette élite m'a bien amoché. Mais je suis toujours vivant. Et j'abandonnerai pas. Comme toi, pas vrai, Mako? Le protocole Rubicon. On se bat jusqu'au bout. Pour ceux qui sont morts. Pour tous ceux sur Terre. On tient bon. On tient jusque... Nous a laissé de quoi nous amuser un peu. Le dernier Spartan, savourons ce moment, Tovarus. Jusqu'à notre dernier souffle. Hé, vous êtes sur mon chemin. Lequel d'entre vous veut mourir le premier? À tous les membres de l'UNSC, ici le Spartan Thomas Horvath. Équipe intrépide. On dirait qu'il n'y a plus personne. Je remonte à la surface, hors de portée des parias, pour chercher des survivants. Pour trouver mon équipe. Je ne vois pas quoi faire d'autre. Le fait que personne ne réponde sur le réseau de l'UNSC n'est pas rassurant. Mais je vais rester à l'écoute. Je vais observer. Et je vais survivre. Major, si vous entendez ce message, nous avons besoin de vous. Maintenant, plus que jamais.